emplois ne vont pas tomber du ciel, s'il vous plaît. Il faut une volonté politique. On a réussi à faire croire aux dirigeants africains que l'entreprise est une affaire privée. La crise économique, aujourd'hui, nous apporte la preuve du contraire. Les États achètent, rachètent les banques et les assurances. Les symboles même de l'entreprise privée, les États rachètent. Eh bien, le jour que le gouvernement de Côte d'Ivoire va décider de s'attaquer à ce problème, il trouvera la solution à ce problème. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire décide de ramener le chômage en Côte d'Ivoire à des proportions humaines, parce que quand on a en dessous de 10%, c'est quelque chose qui existe partout. Mais ici en Côte d'Ivoire, j'ai bien peur que le chômage l'ait dépassé déjà 50%. Surtout le chômage des jeunes diplômés. Là, nous sommes déjà à 80%. Alors, je rencontre les jeunes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Quand tu leur demandes, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai une maîtrise de sociologie. Qu'est-ce que tu as? J'ai une maîtrise de criminologie. Tu as quoi? J'ai une maîtrise de psychologie. Avec tous ces J, qui a trouvé déjà du travail en Côte d'Ivoire? Alors, on me demande pourquoi je fais la politique.